Dans la culture marocaine, le cheval ne peut être dissocié du rite de la Tboreda. Le salon du cheval d'El Jadida est marqué par la tenue du Grand Prix Mohamed VI de Tboreda. Cette pratique, dont le nom dérive de Baroud, qui signifie poudre à canon, regroupe les meilleurs cavaliers et sorbas marocains, représentant les 12 régions du pays. La Tboreda est considérée comme un art, dont le cheval barbe ou arabe barbe est le symbole. C'est évident, les cavaliers doivent attendre le feu vert du Moqaddem pour tirer sur la gâchette du canon. À mon signal, quand je dis hop, c'est à ce moment-là qu'ils doivent tirer, et le tir est normalement excellent et impressionnant. Sinon, le tir est vain. Heureusement, mes hommes ont de l'expérience, certains ont même été en Europe. La troupe de Tboreda, appelée Sorba, est composée de 11 à 15 cavaliers alignés. Elle est présidée par le Mqaddem, qui se place au centre de la troupe et coordonne le mouvement des hommes et des chevaux. La tenue des cavaliers doit être homogène et réglementaire. Une fois Serwal, Reza, Djellaba et Tmar enfilés, le cavalier est prêt à entrer en piste. On se prépare bien avant pour que les cœurs des cavaliers soient en symbiose afin de pouvoir très bien entamer Tboreda et que Dieu y mette sa baraka. De génération en génération, la Tboreda conserve une forte dimension spirituelle, notamment du fait qu'elle met le cheval, animal sacré de l'islam, au centre d'un spectacle haletant et impressionnant.